Bonjour à tous, je me présente Nicolas Robière, je suis le rédacteur en chef de La République et les clercs, que les Palois connaissent. Ai-je besoin de présenter Jean-Noël Jeannet, ancien ministre, ancien président de Radio France, ancien président de la mission du bicentenaire de 1989 Ancien président de la Banque de, de pardon, de la Bibliothèque la banque, nationale, non, pas, pas, la de, banque, pas de, pas de non, la Banque non, de, pas de pas France. La C'était l'année dernière que j'avais le président de la Banque de France, de la Bibliothèque nationale de France. Et toujours euh, aux manettes pour cette émission euh, que je vous conseille tous d'écouter le samedi matin, Concordance des temps à 10h sur France Culture. J'ai oublié de dire historien, et c'est peut-être le fondement de, de ce que vous êtes, Jean-Noël Janney qui vient pour son livre, le tome 2 de ses mémoires, Le Rocher de Sustaine. Euh, que j'ai ici, j'en ai déjà né qui est aussi une langue. Je tiens à le dire, à la fois à l'oral comme à l'écrit, une langue qui ne recule devant rien, en tout cas pas le plus que parfait ou l'imparfait du subjonctif, ni des mots comme nazad ou euh, clabaudé, clabaudage, que j'ai croisé dans votre livre et qu'on croise plus vraiment beaucoup. J'ai envie de vous poser une première question pour ceux qui n'ont pas lu le livre, euh, ni le tome 1, ni le tome 2. Pourquoi le rocher de Susten Expliquez-nous ce titre pour nous Pyrénéens qui ne connaissons pas forcément euh, cet endroit des Alpes. Oui, en effet, c'est une anecdote personnelle, mais aurait, les événements auraient pu faire que je n'ai pas le bonheur et l'honneur de me trouver devant vous, ce qui serait évidemment une frustration extrême et je ne le serai pas, puisque... Puisque je revenais avec des amis d'un voyage en Grèce en deux chevaux, une voiture efficace mais pas extraordinairement solide, et nous descendions du col de c'est à côté du Saint Gothard. Il faisait très très humide, très, très gris, et pour ne pas perdre la route, nous suivions une très grosse voiture américaine, certains que c'était une garantie, une garantie de sécurité absolue. Et tout à coup, il y a eu un énorme bruit, une espèce de mouvement, de lumière. On ne nous n'avons pas très bien compris ce qui se passait, et en fait, c'était un rocher vraiment un très 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 gros rocher qui avait glissé sur lui-même et qui avait écrasé devant nous la voiture américaine. Euh, cinq morts. Et, et nous sommes arrêtés, c'est pas moi qui conduisais, vraiment à, à trois mètres de l'endroit. Ce qui fait qu'à une fraction de seconde, effectivement, la, la camarde serait venue me chercher de façon prématurée. Et je me suis dit que c'était une bonne façon de rappeler que d'intituler ce livre ainsi que les événements qui tissent une vie et aussi la réflexion d'un historien se construisent toujours à la rencontre de ce que Voltaire appelait sa majesté le hasard, d'un côté, et de l'autre des forces profondes qui définissent dans chaque conjoncture ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Car tout n'est pas possible toujours. Si vous me permettez une anecdote à ce propos, oui. vous me permettez bien quelle, sûr. quelle tolérance, c'est très bon augure. <laughs> eh bien, c'est un... On a dit de... tenir les délais aussi, hein, je vous préviens. <laughs> C'est un propos de Gore Vidal, le romancier américain, qui disait vous savez, tout n'est pas possible. Par exemple, si Oswald avait tué non pas Kennedy mais Khrushchev, il est très peu probable que Onassis ait épousé Madame Khrushchev. <laughs> Donc, tout n'est pas possible. Tout n'est pas possible. Ceci dit, votre vie montre qu'on peut avoir plusieurs vies. Et c'est peut-être ce que vous racontez dans ce tome 2. Alors ce tome 2, il est mémoire 2, 1982-1991, qui est passionnant dans cette histoire, c'est que vous avez déjà plusieurs vies à ce moment-là, et on commence en 1982. Pourquoi Parce que vous êtes nommé président de Radio France. Vous êtes historien à ce moment-là. Vous avez 40 ans. C'est très jeune. Je crois que vous le dites. Julia Greco vous croise et dit :« Ce président est un enfant. Hein » euh, Pourquoi vous avez voulu débuter à, cette, à ce moment-là qu Qu'est-ce qu que vous voulez dire, vous, en tant qu'historien, de cette aventure euh, des radios euh, de service public, avec cette date que tu une date clé que vous devez nous, nous rappeler Quand, quand j'avais 20 ans, 15 ans, 20 ans, j'avais envie de construire ma vie euh, en deux parties. Une partie consacrée à l'étude, à l'enseignement, que j'adore. À la réflexion sur l'histoire, l'écriture de textes divers. Et d'autre part, j'avais l'idée qu'il pourrait être stimulant, intéressant, fécond, agréable à vivre, à certains moments, de, de, de se mêler des affaires publiques. D'une façon que je ne savais pas, naturellement. Mais que peser, à un moment donné, sur des institutions d'intérêt public, diriger des équipes, ce serait fort intéressant. Et, et comme toujours, le hasard est venu intervenir, puisque la haute autorité, vous, vous rappelez que. Un an après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, on avait installé un corps intermédiaire qui s'appelait la haute autorité. Aujourd'hui, c'est devenu le CSA, puis l'ARCOM, qui était chargé de créer une distance entre les pouvoirs publics et l'audiovisuel public pour éviter des risques de d'interférence constante que, que, que pour les années 60 et 70, le nom de d'Alain Perfit avait incarné de façon très didactique. Voilà, c'est important à dire. On, on racontait hein, qu'il avait le téléphone euh, branché euh, sur, oui, euh, sur oui, la oui. direction de la, la télé, notamment. De, de, donc, euh, c'était dans ce moment-là précis que euh, j'ai été nommé par la haute autorité. Effectivement, oui, euh, j'avais une expérience des médias. Bien sûr, j'avais enseigné l'histoire des médias, j'avais fait un séminaire sur l'histoire de l'audiovisuel, et puis par un hasard qui n'en rien un mérite, je me mettais dans une famille, disons, de, de, de bourgeoisie intellectuelle et un peu politique. Mon père était universitaire, avait été au gouvernement, et donc, dès mon jeune âge, j'avais été à position d'observer la façon dont les choses se passaient, dont les, les décisions se dessinaient, dont, dont les, les aspirations se, 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 se tricotaient entre elles. Et donc, j'avais un certain nombre d'idées, effectivement, au départ, sur la façon de gouverner une maison de ce genre. Mais néanmoins, euh, je n'avais pas pu prévoir à quel point ce serait intense, riche, souvent difficile et profondément passionnant. Vous racontez, et c'est ça qui est important, c'est que euh, vous êtes nommé à ce poste et vous, dès le début, vous tenez à cette indépendance qu'a euh, qu souhaité le pouvoir. Et qu'il va falloir vous, vous bagarrer pour la, pour la maintenir parce qu'il y a une espèce de regret euh, chez Mitterrand d'avoir à la fois fait voter une loi qui euh, libère, on va dire, l'audiovisuel audio, public d'une tutelle et en même temps euh, un certain interventionnisme, on va dire. Oui, bien sûr. Euh, C'était assez humain et assez naturel. Bon, je n'ai pas, pas été membre du Parti socialiste, mais ma famille, c'est la gauche, et j'avais été heureux que François Mitterrand arrive au pouvoir, et heureux dans le domaine des médias qu'il ait le premier le courage de créer cette coupure. Mais une fois la coupure faite, c'est-à-dire que nous serions nommés non pas par le gouvernement, mais par une instance intermédiaire, naturellement, dans les mois et dans les années qui ont suivi, chez les gouvernants, il y a eu une tentation toute naturelle de revenir au quotidien sur leur courage durable. C'est-à-dire d'être gouverné comme d'habitude par l'idée que si le miroir ne vous présentait pas mon beau miroir, bon miroir, le miroir d'audiovisuel, un visage qui paraissait favorable, c'était vraiment qu'il était mensonger. Parce que s'il si faisait des compliments, ben, c'était tout naturel puisqu'on était très bien. Je force un peu le trait, mais j'ai été à un moment donné après brièvement au gouvernement et je comprends très bien ce type d'attitude. Simplement, notre rôle et ça a été une de mes lignes directrices parmi d'autres, notre rôle, c'était de fait d'assurer, de, d'enraciner ce courage-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu souvent pas mal de tensions. Symboliquement, j'avais nommé le directeur de l'information de France Inter sans en référer au ministre ni au cabinet du premier ministre ni de, de l'Élysée. Ça, ça les a un peu surpris, mais je leur ai dit mais j'avais compris qu'on était indépendant. Alors je vous protège contre vos propres retours en arrière. Franchement, ça a été possible grâce à la haute autorité qui m'a protégé. Au bout de deux ans, ça tirait vraiment très très fort. Mitterrand a dit à des amis que j'avais rompu le contrat moral. Ce qu'il disait pas du tout qu'il fallait pas être indépendant. Mais il disait qu'il fallait. Il avait besoin d'être protégé. Chacun a ses formules. Donc, donc, donc ça a été très difficile. Et puis après, après les choses se sont améliorées grâce à la haute autorité. J'ai pu tenir bon. Et quand est arrivé. La nouvelle majorité à partir de 86, et ça a été très brutal cette première cohabitation. À l'Elysée. on s'est aperçu qu'après tout, j'étais capable de résister aussi <laughs> de l'autre côté, que c'était pas mal. Non, je, je ne me hausse pas du col en disant tout ça. Je dis simplement, que, comme après vous, que ça a été vraiment une des, une des lignes directrices. Il y en a eu d'autres. Est-ce que vous me permettez tout de même de, de souligner qu'ici, étant à Pau, j'étais très fier de retrouver la radio locale publique que j'ai Que vous avez inauguré au curé, oui, oui, parce qu'on est passé. De mon temps, pendant ces 3, 4 ans, euh, de 5 ou 6 radios locales publiques à plus de 30. Et naturellement, il y en a une qui devait être faite ici, bien sûr. À l'époque, c'était pas exactement le même bassin de population, puisque c'était. Euh, alors oui, oui c'est ce qu'on apprend dans votre vous livre. Vous l'avez remarqué. Désormais, il y a France Bleu, Béarn, Bigorre. Vous avez leur stand à côté d'une autre, d'ailleurs, euh, dans les salons à côté. Mais à l'époque, c'était Béarn, Pays Basque. Oui, alors il y avait déjà de la tension. Comme j'étais Franc-Contois, je savais qu'entre Belfort et Besançon, ce n'était pas terrible. Mais, mais, mais c'était un peu la même chose. Alors depuis, ça s'appelait Radio France. Oui, Radio, Radio France, France. Je, je préférais ça, parce que ça, ça diffusait la marque. Enfin, je ne vais pas critiquer les successeurs. Il ne faut jamais le faire. On n'a jamais les successeurs qu'on souhaiterait. Euh, <laughs> Oui, rien euh, le bleu. heureusement je n'ai pas eu les désignés c est, c est, si on les désigne c'est effrayant c est, c est, mais, il y a eu des cas en politique les antonins chez les romains désignaient leurs successeurs mais leurs successeurs n'étaient leurs successeurs quand ils étaient morts donc ils n'avaient pas l'occasion de souffrir Voilà. c'est juste un excursus en tout cas j'ai effectivement eu le bonheur d'inaugurer cette radio nous étions partis de l'idée que le principe même du double secteur qui valait à hauteur nationale devait être également développé à hauteur des régions ce principe est assez simple je peux remonter aux années 30. Aux États-Unis, on avait fait un système où, en gros, le, la radio euh, s'appuyait sur les sondages, les premiers galops, vous savez. On demande aux gens ce qu'ils ont envie d'avoir, on leur donne. Très bien, parfait. Et on fait de la pub, de la, de la réclame. Et puis l'Angleterre, qui avait dit, non, non, c'est nous qui savons, la BBC, ce qui est bon pour le bon peuple et on vous offre, sans vous consulter, des émissions en question. Et du temps de George Mandel, fait enfin, des grands personnages des années 30, on avait choisi en France un, un intermédiaire. Je crois que cet intermédiaire est bon. Il faut qu'il y ait les deux secteurs. Mais pour qu'il y ait les deux secteurs, il faut qu'il y ait un secteur public qui soit avec, effectivement vigoureux, vigoureux par sa capacité d'indépendance et par le service qui lui revient d'une temporalité plus lente. C'est normal que le privé, un peu comme un journal, il a à suivre l'immédiateté de l'intérêt du public. C'est vrai aussi pour les émissions du, 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 du public, parce qu'il ne faut pas négliger l'adhésion ou non. Au bout de deux ans, c'est important. Et puis, si une émission ne marche pas, mais pas tout de suite, pas dans l'ascenseur, les chiffres de l'audience et de l'écoute, comme c'est pour le privé. Et ça, c'est une conviction, mais qui entraîne forcément une réflexion sur deux points l'indépendance, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, et d'autre part, la question du financement, qui est d'ailleurs liée, puisque tout gouvernement, même quand un autre organisme désigne les dirigeants, a tendance au quotidien à revenir sur sa générosité initiale en se servant de l'arme financière. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire un peu d'actualité, mais de ce point de vue-là. Alors, vue j'allais vous, vous y mener, mais allez-y. Vous allez pas, pas préparé. On n'a Malgré l'apparence. Euh, vous alliez me mener vers la question tout simplement de la redevance. La redevance. Alors, Je on est volontiers... dans l'actualité, l'ancien oui. président de Radio France que vous êtes. Comment vous euh, analysez la suppression de la redevance ma, ma, ma réflexion se fonde sur la longue durée, puisque l'avantage d'être historien, c'est qu'on prend du recul. On, on essaye en tout cas. C'est une mauvaise action. C'est une mauvaise action parce que la redevance était un des éléments majeurs qui permettait la longue durée précisément d'un effort, d'une ambition, d'une mission. Et on revient à la question des temporalités. Ça donne une garantie. Euh, on l'a supprimé euh, en remplaçant on nous a dit, ah, ça sera mieux, ce sera la TVA. Premièrement, la TVA, euh, ça ne permet pas de faire les exonérations que permet la redevance au profit des gens les moins favorisés. Bon. Et d'autre part, un plan quadriennal. Quadriennal. On sait très bien que tout État est toujours impécunieux et que par conséquent, on n'a absolument aucune garantie, même si on vous annonce des choses sur la durée. On sait aussi que Bercy, j'ai été à un moment donné secrétaire d'État à Bercy, donc je les connais bien, j'ai été heureux pour d'autres raisons, mais à Bercy, on déteste les taxes fléchées, puisque ça, ça limite la capacité de, de, de mouvement et de choix. Donc on n'aime pas ça, mais le résultat, c'est quoi C'est qu'on va dire aux, aux, aux télévisions et aux radios publiques, surtout aux radios qui n'en faisaient pas, faites un peu de publicité. Faites un peu de publicité. Quand j'ai été secrétaire d'état à la communication plus tard mon successeur m'avait venu me voir en me disant est-ce que ça vous ennuierait, monsieur le ministre si on pouvait euh, introduire un peu de publicité. Il y avait la publicité collective à l'époque vous savez pour la chicorée la hein, chicorée Leroux était la seule chicorée donc il était très content que ce soit la collective <laughs> mais c'était vraiment un cas assez unique. Je ne sais pas si vous buvez de la chicorée. En tout cas, il est venu me voir, il est venu me voir en me disant qu'il voulait avoir droit à mettre un peu de publicité parce que ça me permettra d'avoir les 5% tellement commodes que me permettront de faire d'autres choses. Je dis oui, la première année, ça sera ça, et puis l'année suivante, Bercy vous dira Mais vous avez eu 5% tout seul, je vais diminuer d'autant la redevance que je vous donnerai. Et donc, on arriverait à quoi On arriverait à ce que la différence entre le public et le privé, je parle surtout de la radio encore une fois, euh, va s'estomper, et que le goût du public, qui est qu'on ne lui assène pas des publicités sur euh, je ne sais quoi et je ne sais quoi, va être violé, violenté par ça. Voilà. Alors bon, je pourrais développer ça sur cela, redevance, mais c'est l'actualité. Ça n'est pas l'histoire. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans Le Monde et ailleurs. Je, 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 pour tout vous dire, je finis là-dessus. Quand j'étais à la communication, j'ai appris un jour continuité d'une volonté à Bercy. J'ai appris qu'un inspecteur des finances, dont je connais le nom que je tairais avait suggéré au premier ministre Bergeaud, dont j'étais dans son gouvernement, déjà de supprimer la redevance, toujours avec les mêmes motifs. Et puis même l'idée que c'était populaire. Alors, ça, c'est quand même très démagogique. On lui avait dit, grâce à ça, nous allons gagner les élections de 93. Bon, c'est un peu Raté. hasard. De... Et finalement... Bon, ceci je... dit, ça n'a pas été instauré. Donc, <laughs> on ne peut pas savoir si ça a marché ou pas. Mais bon. <laughs> non, ça n'a pas marché. Puisque <laughs> ça n'a pas eu lieu. Parce que j'ai dit que j'allais démissionner. ça n'aurais pas fait de bruit de plus que 24 heures. J'étais au bout de la table. Mais en fait, ça a fait changer d'avis. Et on a maintenu pendant plusieurs décennies, mais je reviendrai volontiers à vos ce questions qui, ce avec Ce qui est euh... passionnant, justement, c'est que vous avez été dans les deux cas, c'est-à-dire que vous racontez, quand vous êtes président de Radio France, euh, vos rapports tempétueux avec la tutelle ministérielle, on va dire, et puis vous vous êtes retrouvé finalement de l'autre côté. Euh, Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre pratique ensuite Quand j'étais secrétaire d'État, vous voulez dire Oui. Oh ben, ça a changé que j'avais compris que c'était impossible d'intervenir sur les, sur les contenus. Alors une fois, Bérégovoy qui avait été bousculé à la, télé, à la radio sur je ne sais quelle histoire concernant les prisons, m'a téléphoné en me disant ⁇ Vous pouvez vraiment rien faire ?⁇ Je sais que vous pouvez rien faire, mais j'ai besoin de me défouler en vous disant ⁇ Mais je dis très bien, défoulez-vous, Monsieur le Premier ministre ⁇ Donc voilà, non, effectivement, heureusement, à cet égard, on a, on a progressé. Ce qui ne veut pas dire que les journalistes soient, en quelque sorte, euh, que son indépendance veuille dire irresponsabilité. J'ai toujours considéré que comme président de Radio France, j'étais... Vous êtes journaliste de la presse écrite, j'étais le chef de la publication, directeur de la publication, et donc très souvent, j'intervenais pour faire des critiques et autres. Mais, mais je protégeais constamment, ils m'en ont d'ailleurs rendu acte à la fin contre les interventions extérieures. Alors, il y a, il y a, vous étiez directeur de publication, hein, oui, comme je peux oui, dire, ça. responsable de, de ce qui pouvait être dit. Et une petite anecdote, j'aimerais qu'on y revienne, c'est euh, euh, sur la reine Fabiola. Ah. Vous avez, euh, alors, pour les, les auditeurs, mais moi j'ai connu euh, euh, cette fameuse émission, racontez une, anecdote, il y a une... Oui, c'était peu de temps après mon arrivée, c'est là que j'ai découvert que j'étais responsable de trente antennes, de quantité responsable. Parce que tout à coup, on m'a annoncé l'ambassadeur, effectivement, de Belgique. Euh, mais volontiers, je le prends au téléphone. Monsieur le Président, savez-vous que vous venez d'insulter ma reine Moi, j'ai insulté votre reine, la reine des Belges. Je ne savais pas. -ce que... Oui, écoutez le tribunal des flagrants délires. C'était une émission que certains d'entre vous se rappellent probablement. Il euh, L'admirable des proches, et Claude Villers, etc. Et Rego. Alors, je me suis fait monter Regault. la bande, effectivement, et mon sens s'est coagulé. Lorsque j'ai entendu ceci, je crois que c'était Rego qui l'avait dit, au fond, on a tort de, de critiquer euh, la reine des Belges. C'est quelqu'un vraiment très bien. Elle a été assez intelligente pour ne pas donner naissance à un Belge. Alors, c'est vrai, je me suis dit, alors là, monsieur l'ambassadeur, il m'a demandé, je crois que peut-être la mémoire est un peu différente, il m'a dit est-ce que vous pourriez publier un communiqué de démentis <laughs> Ça, je, franchement, je, je l'ai peut-être imaginé. Mais en tout cas, alors je les ai fait venir, c'est intéressant parce que j'ai fait venir les humoristes dans mon bureau et je leur ai dit Est ce que vous ne pensez pas que ça a été malvenu? Est-ce que vous, je crois qu'il faut être libre quand on est humoriste est assez libre mais il y a toujours une limite. C'est pas vrai qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe où. D'ailleurs, des projets dit qu'on pouvait dire tout avec quelques-uns et quelque bah, chose. On peut pas avec rire un... avec n'importe qui. Alors j'ai demandé À mon étonnement, et ils ont dit en effet, on a passé là, la... on a passé, une... on a insulté une femme et ils ont accepté une, une lettre que j'ai transmise à l'ambassadeur et c'est là que mes relations avec lui se sont arrêtées. <laughs> c'est une anecdote, mais qui vient dire aussi beaucoup sur effectivement la liberté d'expression et ce genre de choses. Une autre, une autre, on va dire. Une autre facette de ce qu'on apprend de votre livre, et là je vais vous faire revenir à 86, vous appelez le fameux chapitre des immigrés, le retour des immigrés. 86, retour de la cohabitation. Racontez-nous un peu, vous l'avez survolé là, ça a été compliqué pour vous oui. à ce moment-là J'avais éprouvé une très grande liberté quand j'avais fait France Culture la nuit par exemple, ça s'arrêtait avec la Marseillaise à 1h du matin, quand j'avais développé ces radios locales, quand j'avais fait le festival de Radio France et de Montpellier, j'avais vraiment eu beaucoup de, de liberté. Et tout à coup, j'ai vu arriver, en effet, la nouvelle majorité de droite, vous vous rappelez, la cohabitation, 86. Et là, je parle des émigrés parce qu'ensuite, retourné à Sciences Po, j'ai mieux enseigné l'histoire des émigrés de 1814 et de 1815. Vous avez ceux qui n'avaient rien appelé, rien oublié. Euh, je veux dire par là qu'il y a eu chez eux, pas, ça n'a pas été le cas en 93, on s'était habitué à l'alternance. Il y a eu un côté qui m'a beaucoup frappé qui était, qui était, on revient dans nos meubles oublions ce qui s'est passé, et puis d'une très grande brutalité, effectivement, à l'égard. Et puis ils ont fait une loi destinée à nous à nous changer, et ça a été très net, et surtout, surtout ils, nous, ils nous ont fait un budget extrêmement difficile. Et puis, et puis j'avais été euh, du côté de Nantes installer une radio locale publique, et il y avait là une radio qui s'appelait Radio Alouette, qui était la radio qui appartenait... En à Vendée. La, en Vendée, juste oui. à côté. Voilà, ouais. Juste à côté, qui appartenait à la famille Villiers, euh, Philippe de Villiers et ben, son frère. Et ça les avait beaucoup irrités. Et en entendant la composition du gouvernement, nous avons découvert que Philippe de Villiers devenait ministre, euh, secrétaire d'État chargé des radios. Alors on s'est dit, oui, ça, c'est pas terrible. <laughs> et, et, et alors, du coup, naturellement, avec un esprit de, franchement, de vindicte, euh, de Léotard. Léotard euh, est devenu plus souple après, je pense, mais pendant six, huit mois, il a refusé de me recevoir. C'est comme si j'avais eu la peste. Il a interdit à son directeur de la musique de venir, de venir à notre festival de, de Montpellier. Et, et Villiers, évidemment, a souhaité tuer nos radios locales publiques. Et il nous a supprimé d'une somme importante, 30 millions de l'époque, pour euh, que nous obliger à en, à en fermer un certain nombre. Seulement à l'époque, à un moment-là, je tenais assez bien ma maison, vraiment, et les techniciens. On a eu un vrai réflexe patriotique. Ils ont inventé un système qui permettait, je crois que ça dure toujours, de faire une sorte de fil. Au moment de moindre écoute, qui, par... qui nourrirait toutes les radios locales publiques, ce qui permettait de faire les économies de 30 millions qu'on nous demandait et de n'en fermer aucune. Ça, voilà. on était très contents. J'étais très content. Et vous avez pu rester jusqu'en min... euh... décembre 86, le temps qu'on voilà. vote la loi. Ouais, voilà. À euh, ce moment-là, euh, oui, 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 oui. c'est assez, assez brutal. Je, 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 anecdotique, mais on ben, m'avait demandé, Premier ministre, m'avait demandé de donner une très gore, grosse somme à Madame Baudrier qui m'avait précédé, puisqu'on avait abrégé son mandat. Là, j'ai eu le directeur de cabinet de, 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 au téléphone de monsieur Léotard, euh, M. Léotard qui m'a dit Venez me voir, on va parler de votre situation. Je dis, vous avez dit Écoutez, j'ai été un peu cyrano, vous n'avez pas voulu me recevoir pendant tout ce temps-là. Alors, euh, ma situation vous rompez mon contrat à mi-chemin, j'avais été renouvelé. Je suis sûr qu'en termes matériels, vous veillerez à ce que je sois convenablement traité. Mm -hmm. euh, on va voir ça. On était le 13 décembre, il m'a payé jusqu'à Noël, ce qui était vraiment très généreux. Bon. Mais je, reconna je reconnais. Non, mais je, je, vous voyez, je, je suis tout à fait serein à cette distance parce que je suis aussi historien et je connais là encore ce qui s'entremêle dans les actions publiques de passion et de... Mais enfin, je respecte beaucoup les cas où la passion est contrôlée par quelque chose comme un esprit civique. Alors, juste derrière, vous revenez à l'histoire, finalement, à votre métier premier que je vous pose la question de savoir quel est votre métier premier. Et puis, 88, c'est ça euh, on vous rappelle finalement aux affaires, dans le faire, c'est la présidence de, euh, de la mission du bicentenaire. Alors, vos prédécesseurs, vous en dites pas trop de mal, d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, vous pouvez euh, égratigner certains. Hein, Moi Oui, si, si, euh, avec votre langue, hein, ce que j'ai déjà souligné. Mais enfin, a, dans, dans le livre, il y a quelques certains se sentent se visés, on va dire. C'est Clémenceau qui disait si on n'a pas d'ennemis après avoir agi, c'est qu'on n'a rien fait. C'est vrai. Bon, alors vous avez beaucoup fait. Ou je ne sais pas si vous avez beaucoup d'ennemis. En tout cas, vous revenez. Rappelez-nous qui était. Parce que c'est assez drôle. Qui étaient vos prédécesseurs pour cette mission? Vous arrivez finalement. Euh, il est grand temps, finalement, de, de lancer ce bicentenaire. On est en avril 88 pour préparer l'année de commémoration de 89. Il y avait eu d'abord Michel Barouin, qui était un personnage... Euh, qui avait du rayonnement, euh, notamment euh, du côté de la maçonnerie, et qui était mort dans un accident d'avion, le père de François Barrette. Oui, le père de François Baroin. Ensuite, c'était des nominations de la cohabitation. On avait nommé Edgar Faure, qui était un peu au déclin de son âge. On connaît son brio, son talent, etc. Mais euh, qui, au fond, avait envie de vivre cette affaire un peu tranquillement. Il disait d'ailleurs deux choses typiques. Il disait, au fond, il y a deux personnes qui auraient pu empêcher la révolution, qui a plutôt été brutale et sanglante. Le premier, c'était Turgot, mais il était mort. Et le second, c'était moi, mais je n'étais pas né. Je cite cette phrase pour marquer que ce qu'il pouvait éprouver, si vous voulez, de, de, par rapport à. Il voulait surtout insister sur les droits de l'homme, l'arche de la défense, etc. Et, et donc, il est mort en février. Ça a correspondu à peu près au moment où Mitterrand était réélu. Et c'est là que, ayant changé d'avis sur moi depuis la cohabitation, oui. il m'a proposé, proposé d'être président de cette mission du bicentenaire. Avec très peu de temps devant nous, c'était en avril encore une fois, et j'étais un peu, j'étais pas très réfléchi, je crois, parce que j'ai sauté là encore dans l'aquarium comme au moment de Radio France, et, et, et j'ai eu à, à mener tout ça. Euh, ça a culminé, vous vous rappelez probablement, avec le grand défilé de Jean-Paul Goud enfin, euh, de 14 juillet 89, qui a été assez flamboyant et qui, je crois, a été une réussite. Et puis une multitude d'activités diverses. En région, pour accompagner, entretenir, soutenir toutes sortes d'initiatives dont on ne prenait pas toujours la mesure à Paris. Parce qu'à Paris, on, dans les milieux un peu intellectuels, on avait surtout peur d'être fervent. Ça, c'est assez classique. Surtout, donc, on a été très ironique jusqu'au 14 juillet. En revanche, en région, on a accompagné énormément d'initiatives de toutes sortes du côté de l'enseignement, du côté des municipalités. On a planté 12 000 arbres de la liberté au printemps, etc., etc. Et puis l'étranger. À l'étranger, où je me suis beaucoup promené, j'ai beaucoup allé, parce qu'il y avait une quantité d'endroits où les gens avaient envie de dire à la France ce qui s'est passé nous a inspiré, c'est important. Oui, il y a eu quatre grandes révolutions dans le monde, celle d'Angleterre, de, celle de, des États-Unis, et après 17, mais celle-ci, nous avons pour elle une dilection particulière. C'est un peu ce qu'on essayait de nous dire. Dilection, ça va parmi le vocabulaire Non, non, tout va bien. Ouais, non, ouais. ça... le, dans ce livre, justement, vous dites, j'ai jamais autant travaillé qu'à ce moment-là. Parce que vous ayez peu de temps, parce que la tâche paraissait euh, immense, euh, c'est important. Vous êtes président de la mission, vous avez un politique qui vous dit comment il a envie. Euh, vous le dites dans le livre, hein, Mitterrand. Nos, euh, vous l'écrivez, je ne sais plus qui vous le dit. Euh, se représente en 88 parce qu'il voulait laisser à personne d'autre finalement le discours du bicentaire de la Révolution. Il y a quelque chose de. Donc là, vous savez que vous avez une tutelle politique importante. Comment ça se passe est-ce que vous avez réussi à mener finalement une commémoration telle que vous la souhaitiez, vous, l'historien Oui. François Mitterrand avait en effet un certain nombre d'idées. On a beaucoup dialogué. Je raconte en détail, évidemment, je, ce livre est fondé sur un journal personnel qui me permet d'entrer de, 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 dans, dans le, le détail, de restituer, je crois, des atmosphères et des anecdotes. Je, je raconte en détail nos conversations avec lui. Et il avait bien l'idée qui euh, qu m'a paru. Euh, un bon vadémécome, qui était que il ne fallait pas dire, comme disait un des grands historiens de l'époque, François Furet, que la Révolution était terminée. Si on voulait dire qu'elle s'était terminée, elle s'était terminée avec Bonaparte. Hein, si on peut dire où bon. non, mais qu'elle n'était pas terminée au sens de Victor Hugo. Nous avons placardé des, des grandes affiches dans, dans, les, dans les journaux. Il y a plus de, de terre promise que de terrain gagné, Victor Hugo. Oui. L'idée était que les grandes idées de 89 avaient encore une potentialité d'inspiration, pouvait jouer un rôle de ressort par rapport à de nouvelles conquêtes, compte tenu du fait qu'il y a une quantité de choses qui n'avaient pas été réussies et que par conséquent, on pouvait s'en servir non seulement pour la satisfaction de se rappeler un grand moment, mais aussi comme un aiguillon pour d'autres actions nouvelles, des actions de, qui aillent dans le sens de la générosité, de la solidarité, de la liberté, en fait, de la devise républicaine. Et ça, ça a été, ça a été la conviction. Et ça a été pourquoi nous avons éprouvé défense et l'illustration de la de, de cette période avec beaucoup de beaucoup de bonheur. Mais au quotidien, il fallait travailler, se promener, aller partout. Et puis il y avait les adversaires évidemment qui étaient intéressants parce que ça, parmi mes petits camarades historiens que j'aimais beaucoup, on était très préoccupé d'en finir avec une historiographie très marquée par euh, la tradition des grands historiens de la Troisième République, les, les, les Matiezès, et puis ensuite. La Brousse, et puis euh, un Soboul plus récemment, et c'était Vauvel qui était à ce moment-là, c'est-à-dire une histoire qu'on m'avait enseignée en Cannes, qui était celle qui disait que l'essentiel, c'était les grands mouvements. C'était les grands mouvements économiques et sociaux qui avaient tout déterminé. L'arrivée de la bourgeoisie, premièrement. Ce qui était contesté depuis peu par un certain nombre de nouveaux historiens qui disaient que le culturel était essentiel, les forces de, des idées, les culturels. À mon avis, ils avaient raison tous les deux et les seconds furaient monosoup, ont avait tendance parfois à minimiser le côté quand même de classe sociale de ce qu'on avait obtenu en 89 etc. donc il fallait il fallait avancer entre entre les deux et je crois que ça a convenu à Mitterrand mais j'ajoute que je n'avais pas soupçonné à l'époque qu'il restait une minorité certes de gens extrêmement hostiles à la Révolution française. je ne parle pas seulement du, du, du ministre venu de Vendée que j'évoquais tout à l'heure, oui, et, oui. et dont le nom... J'en ai parlé assez récemment pour que peut-être vous rappeliez son nom. Euh, donc, il, était, il a écrit une lettre au bicentenaire, au coupeur de tête. Enfin, J'ai eu à dialoguer avec lui avec beaucoup de plaisir chez Pivot à Apostrophe. Mais euh, autour de lui, il y avait un grand nombre de gens qui, à droite, une partie de la droite, et à l'extrême droite, restaient très, très virulents contre la Révolution française. J'habitais à côté de Saint-Nicolas-du-Chardonnay, qui est une église que oui. vous connaissez peut-être à Paris. Alors je passais devant et je voyais affiché l'Anti-89. Un jour, mon père reçoit en Franche-Comté, où il était en vacances, un paquet à son nom. Il n'y a pas de prénom. Il m'a dit, m'a téléphoné, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour toi que pour moi. Je dis, pourquoi, papa Pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait plutôt Parce que j'ai ouvert le paquet et c'est une vipère dans du formol. <laughs> On a reçu aussi beaucoup de petits... De petits Cercueil, etc. Et puis des expressions, des télégrammes aussi. Jamais 203. Le sang des martyrs retombera sur eux. J'avais deux prédécesseurs. Et, et alors, ce qui était plus intéressant, c'était un peu violent, mais un peu anecdotique. On m'a donné quand même des gardes du corps. Anecdotique, était... mais je, important, parce que je ne crois pas que tout le monde se souvienne de ça, de cette ambiance-là. Ouais. Et je crois que alors, les, les gens du genre Furet et autres, je trouvais qu'ils qu 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 négligeaient cette. cette Idée. Il y avait un courant intellectuel d'ailleurs d'un type remarquable mais tout à fait réactionnaire au sens propre qui était Pierre Chaunu, euh, qui euh, passait jamais devant le lycée Carnot sans cracher alors c'était quand même assez significatif. Euh, il y a un aspect plus intéressant c'était, c'est lui qui le disait, pas, euh, c'était l'attitude de l'église catholique qui était extrêmement intéressante car il se posait la question de savoir si on acceptait de se placer dans la lignée de l'église conventionnelle, l'église jureur ou pas. Et là, il y a eu un personnage très, très, très important, mais finalement minoritaire, qui était le cardinal Lustiger. Je raconte en détail un dîner, un dîner euh, rue Barbé de Jouy, euh, en présence de mon maître René Raymond, historien de catholique, enfin, euh, où je montre à quel point c'est vraiment deux visions face à face. Il a été absolument furieux que nous mettions, c'était ma suggestion, à Mitterrand, l'abbé Grégoire au Panthéon. Vous vous rappelez que l'abbé Grégoire, c'est ce grand personnage euh, de l'ami la des Noirs qui avait lutter contre la vandalisation, qui avait été un, vraiment un très très beau personnage, euh, évêque de Blois, oui, et qui euh, euh, avait été jureur, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu a, et quand il est mort dans les années 20, euh, l'Église a refusé les derniers sacrements. Ah oui. Et, et euh, j'ai annoncé au cardinal Lustiger que j'avais suggéré au président, qui avait l'air d'agréer cette idée, qu'à côté de Monge et de Condorcet, on mettrait l'abbé Grégoire. Il y est toujours. Et il a été dans un état de, de mécontentement extrême. Il était convaincu, ce qui est très intéressant, il était convaincu que la révolution française devait être condamnée en bloc par un effort d'anamnèse, disait-il, euh, qui euh, parce que c'était le creuset de toutes les barbaries qui l'obsédaient. On comprend, comme d'autres, mais peut-être plus encore, il était catholique juif, euh, la Shoah, qui pensait qu'il y avait une espèce d'ontologie de la terreur qui était. Lié de façon intrinsèque à un mouvement révolutionnaire. Par conséquent, il fallait la condamner tout entière. Ça, ça nourrit une de conversations que je, que je raconte en détail. Oui. Euh, compliqué aussi, euh, finalement, le rapport de l'historien au milieu de plusieurs historiens qui, euh, euh, voilà, euh, ce bicentenaire, c'est aussi une espèce de bilan de la révolution à un moment. Comment vous positionnez-vous, président de la mission du bicentenaire, et en même temps historien Comment vous j'ai marqué tout de suite que j'étais historien, mais pas de la Révolution, et qui ne me revenait pas. Ça aurait été complètement contraire à toute idée démocratique de dire je donne de l'argent ici, je ne donne pas là, je choisis telle école. Telle... Il y avait trois écoles, je laisse de côté celle de Chaunu, vraiment contre-révolutionnaire, et de Mgr Lustiger. Il y en avait deux autres, qui étaient celles que j'évoquais il y a un instant, c'est-à-dire la tradition euh, universitaire et sœur qui était celle marquée par bovel qui était membre du Parti communiste, et qui, cette idée de, 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 du jeu des. Forces économiques et sociales comme absolument fondamentales, et puis euh, avec aussi l'envie de la poursuivre, finalement de oui, dire qu'elle n'avait pas été terminée, que oui, c'était une révolution. Ah oui, ça, 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 ça aussi, voilà. ça aussi, ça aussi. Et puis d'autre côté, le euh, furet, Mona des gens de très grande qualité qui euh, affirmaient qu'il fallait, euh, fallait mettre au premier rang les idées culturelles et qui étaient aussi persuadés que la révolution était terminée, qu'il n'y avait plus rien à en tirer, et qui mettaient beaucoup, beaucoup l'accent sur la terreur. Alors évidemment, la terreur était au centre de toutes les réflexions. Euh, pour eux, c'était en quelque sorte quelque chose qui était intrinsèque, inévitable par rapport, à, par rapport à la révolution. Dans un premier temps, il avait un peu changé. Après, Furet avait vraiment coupé son analyse. Approbation pour 89, n de 92-93. Moi, je me suis plutôt dans la tradition de Victor Hugo dans son magnifique livre de 93, où il m'expliquait que la Terreur certes était impardonnable, mais que premièrement, elle avait été après coup attribuée à Robespierre par les Thermidoriens pour expliquer que c'était pas eux ça on le comprend. Et, et, et d'autre part, elle, elle était à un moment, c'est ce que dit Victor Hugo très bien, à un moment où la République avait au ventre ce renard qui était la Vendée et, et sur les épaules c'est... Ces Isidre qui, qui étaient les rois, quelque chose comme ça. Donc, autrement dit, il y avait la guerre extérieure, ce n'est pas une excuse. Mais Enfin, il faut prendre en compte, c'est ce que faisait très bien remarquer l'excellent historien, je pense qu'il y a des historiens parmi vous, qui était Maurice Agulon. Qui, donc, c'était aussi un débat. Et puis, en fait, c'était un débat très, très, très parisien, mais, mais qui dominait très largement les, 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 les feuilles qui comptaient beaucoup, le Nouvel Observateur, par exemple, etc. etc. Et, et tout ça, c'est un peu dissipé après le 14 juillet qui a vraiment été un moment tout à fait décisif et la presse qui était encore une fois très, très goguenarde parisienne a tout à coup changé le Figaro, le monde avait été longtemps très hostile et le lendemain le Figaro a titré le triomphe de la révolution Alors ah, nous, en avons, nous en avons pris une petite partie, toute petite pour nous la mission, on avait beaucoup travaillé Comment vous avez travaillé notamment avec, euh, avec Jean-Paul Goud qui, qui organise ce, ce défilé comment comment euh on arrive finalement à retourner une opinion comme ça. On sait que les images restent plus que les discours. Oui, elles sont toujours disponibles et elles ont été diffusées en direct tout autour du monde. On m'a dit qu'il y avait plusieurs centaines de millions de gens qui l'ont vu. C'était pas si mal pour la France et aussi pour l'idée que la France se faisait de sa révolution. Mais il faut dire que j'avais eu un choc, je le raconte en détail, ça pourrait amuser, un choc au bout d'un mois. J'étais sous ma douche, j'ai laissé tomber mon savon. Euh, lorsque j'ai entendu à la radio que, alors que j'avais vu Mitterrand euh, qui m'avait dit rôle politique, j'avais pas envie d'avoir un rôle de fonctionnaire. J'ai un rôle politique euh, dépendant de, de, de Matignon et de plusieurs ministères à la fois. J'ai tout à coup entendu que Jack Lang, ministre de la Culture, s'était fait nommer aussi ministre du bicentenaire. Ah là, là, ça a été un petit choc. Alors je raconte en détail notre lutte de territoire. J ai, j ai, grâce à Rocard qui m'a beaucoup soutenu, mais je ne pas dans les détails, j'ai pu euh, effectivement. Des, Continuer de défendre, mon, mon, avec l'appui du de, de, oui, de Premier ministre Carre et aussi de Mitterrand, en fait, plus discret, défendre mon territoire. Et en, il voulait que je me mette à dépendre de lui, à peu près comme un directeur. De, il voulait que je soumette mes, 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 mes interviews. Non, mais je dis, ça ne va pas. Ah, vous relire vos interviews. Oui, ouais. ça va. Et, 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 Son directeur de cabinet m'a appelé, mais vous n'avez pas cité le ministre dans vos dernières interviews. Non Alors, bon, je rends hommage au fait que c'est un de ses collaborateurs qui a eu l'idée de Jean-Paul Gould. On avait autant de Garfort pensé à Jean-Michel Jarre, qui était un très bon entrepreneur et musicien, mais qui avait déjà fait un peu la fête sur les docks de Londres, en, oui. en, Russie, en Chine, etc. Ça manquait d'originalité. Puis ça aurait été statique. L'idée de faire une grande parade l'a emporté. Et c'est euh, du pavillon qu'un collaborateur de, de Lang a eu l'idée de demander à un publicitaire très brillant, qui s'appelait Jean-Paul Goud, de préparer tout ça. Mais, mais ensuite, nous avons suivi au quotidien, mon équipe a suivi au quotidien le travail de, de Goud. Parce que comme tous les bons publicitaires, il faut leur dire ce qu'il s'agit de défendre oui. et quels étaient les principes. Mmh. Son imagination était immense, sa culture historique un peu plus maîtrisée. Enfin, je veux dire... Oui, on, va, il fa, on voit il ce fa, que il vous voulez dire. Non, mais ça s'est très bien passé parce qu'il a été assez souple. C'était un type d'imagination, certains encore peut-être cette affaire dans, 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 dans la mémoire. Bref, ça a été, ça a été comme ça qu'on a travaillé. J'ai défendu mon territoire et finalement, il y a eu quelques chocs, mais... Je pense qu'au-delà de l'événement lui-même, ça permet de renseigner assez bien sur certains fonctionnements de la vie démocratique à l'intérieur même d'un gouvernement. Exactement. Et, et sur la manière dont, 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 dont on se frotte un peu les uns aux autres. Il mais, mais y a des gens qui sont assez mécontents de ce que j'ai écrit, mais je ne prétends pas faire un livre d'histoire. Je, je raconte mon point de vue. Et ceux qui peuvent se sentir un peu égratignés, ils sont tous vivants pratiquement, donc ils ont le droit de répondre. Oui, voilà. Il y a. Avant qu'on parle de ça, de la manière dont vous avez écrit votre livre, parce que c'est intéressant, euh, quelqu'un qui peut participer, vivre l'histoire et la raconter, euh, et dont c'est le métier, ce sera intéressant à dire. Je voudrais juste revenir à la, à la mission du, du Bicentenaire. C'est Régis Debré, finalement, qui vient vous, qui vient vous voir, qui a l'idée. C'est ça, au départ, non Il ne vient pas me voir. Il est conseiller du président de la République. Oui, il fait moi venir, qui me... pardon. Ouais, non, il y a ouais. des, des, des règles républicaines. Effectivement, il me fait venir et il me dit « je suis un peu en recherche » suggérer au président des noms possibles on était normalisés ensemble il était un an avant moi, on se tutoyait est-ce que ça te pourrait éventuellement t'intéresser etc je dis, oui enfin pourquoi pas, oui oui très bien et oui alors j'ai beaucoup réfléchi Je suis rendu compte que c'était difficile mais je me suis dit que voilà je ferais savoir en effet à Mitterrand que s'il confirmait cette proposition je, je l'agréerais et c'est ainsi qu'il m'a nommé, alors après j'ai su qu'il y a eu pas mal d'hésitations comme toujours on ignore les choses sur d'autres noms possibles enfin, finalement il m'a choisi et, et c'était ce qui, ce qui a été décisif. Après, peut-être Régis Debray, pour qui j'ai beaucoup d'estime de, dans notre différence, on est très différents, euh, mais, mais enfin Régis Debray a peut-être peut dit qu'il pourrait peut-être plus le faire, etc. Il aurait eu une vision oui, a, a, plus didactique. Ouais, moi, j'ai compris qu'il avait presque envie. Un oui, moment mais que... Mitterrand lui a dit ah ben j'ai désigné Jeannet, c'est trop tard. Alors, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, enfin, encore une fois. Ouais. Mais il ne m'en a pas voulu du tout. Je raconte plusieurs conversations avec lui, y compris le fait que vous le connaissez bien, et vous connaissez sa, son œuvre importante et très spécifique. Il a trouvé que Jean-Paul Goutte, c'était un peu trop. un hommage ou un sacrifice euh, aux modalités du temps. Oui. Voilà, il a voulu, et moi, j'avais pas envie de refaire 1889. J'ai beaucoup étudié ce qui s'était passé en 1889, en, parce que chaque époque est marquée, évidemment. Chaque anniversaire est marqué par l'inattendu ou par la situation. En 89, il, 1889, il s'était il était agi pour le, la République encore faible d'affirmer aux yeux du monde que les valeurs qui fondaient cette République avaient encore leur pleine validité. On avait fait circuler dans Paris ou à Valmy des chars avec des sociétaires de la comédie française, femmes habitées, incarnant la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est vrai que c'était tout à fait autre chose. Oui. Et, et, et je ne dis pas que Régis voulait revenir à ça, mais il aurait voulu quelque chose de plus, de plus pédagogique. De plus, enfin bon, de toute façon, euh, il, il s'est très très bien comporté. À part du, et les choses sont tournées de la sorte et je lui sais gré d'avoir été le déclic de ça. Peut-être qu'il était en train de chercher d'autres noms. Je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que les choses se sont dessinées. Et on revient au propos de tout à l'heure, c'est-à-dire la part de hasard et la part de... puisque. Pour que je sois là, il fallait vraiment que les deux précédents soient morts. Et c'est une part de, oui. de hasard qui tient l'un à un avion défaillant et l'autre à des virus méchants. Alors, ce <laughs> n'est euh, pas forcément dans le livre, mais j'aimerais vous faire parler aussi, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait partie de, votre, votre, finalement de, de vos bons souvenirs, euh, la présidence de la Bibliothèque nationale de France. Et vous m'avez dit juste avant euh, que vous avez failli être ministre à nouveau. Hein, euh, « Garde des Sceaux », on a pensé à vous pour ça. Oui. On ouais. on Alors vous ne voulez pas ah, qu'on le dise, c'est oh, ça Non, mais ça sort du livre. Voilà, non, ça rejoint l'idée du, du hasard. Ouais. Je, je crois que c'était avéré, euh, Jospin, à un moment donné, quand Elisabeth Guigou est devenue, qui était garde des Sceaux, est devenue ministre des Affaires Sociales, j'avais quitté à ce moment-là des responsabilités, j'exerçais je, je, avec bonheur mon métier d'historien et, et de professeur à Sciences Po, et euh, il a songé, m'a-t-on dit, je crois que c'était avéré, à me nommer « Garde des Sceaux euh, », il hésitait avec madame Lebranchu qui était militante, socialiste, que je n'étais pas et finalement il a choisi madame Lebranchu pendant 24 heures je lui ai dit c'est dommage, ça aurait été intéressant mon grand-père qui était sénateur en 1911 j'aurais fait un joli petit discours je crois avait refusé d'être garde des Sceaux dans un gouvernement moniste chacun se rappelle les gouvernements de l'époque évidemment euh, euh, parce que mon père venait de naître et qu'il avait euh, du coup dit qu'il ne voulait, voulait pas en fait je sais pas pourquoi, c'est une erreur Enfin bon, il voulait pas être garde des Sceaux, il a dit qu'il voulait s'occuper de son petit garçon et un humoriste frondin avait dit, dans ce cas-là, on va l'appeler Jeannounou. <laughs> mais je ne vais pas vous dire ça parce que ça va rester. Donc, je ne l'ai pas dit. Donc, euh, ça m'aurait amusé à cause de ça. Mon père avait été brièvement, dans un intervalle un mois, à moi, garder ça. Bon, bref, ça mais j'aurais été content. Je ne pas du tout juriste, mais c'est un métier intéressant. Et je, je, je le dis ici, dans la ville de François Bayrou. Euh, donc, euh, simplement, si ça avait été le cas... Je on pensait qu'en gros, Jospin allait être élu président de la République. Donc, je pensais aussi que ça permettrait de continuer. Il a été battu et je n'aurais pas été nommé du coup président de la BNF. Ce que j'ai été pendant quatre ans, c'est un métier que j'ai absolument adoré parce qu'il y avait tellement de choses à faire passionnantes. Et là, j'étais vraiment dans la ligne de ma vocation personnelle. C'est pour revenir à, un peu au début, c'est-à-dire la part de hasard que chacun d'entre vous, j'imagine, a rencontré dans sa vie, oui. dans, dans ses affections. dans ses, euh, Et en même temps, il faut savoir ce qu'on ne veut pas, il faut avoir des déterminations. Ce, donc, il y a à la fois. Toujours l'idée qu'une belle vie, c'est une idée de la jeunesse réalisée dans l'âge mûr. Il faut encore que les circonstances s'y prêtent. Alors, il y a du hasard et il n'y a pas de hasard. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ce livre, le premier tome et les suivants, le suivant ou les suivants, euh, il est basé quand même sur des notes que vous avez prises, finalement, euh, toute votre vie ou presque. Euh, ça, c'est pas du hasard déjà. C'est la détermination. C'est de la détermination, voilà. Répétez. Et euh, en même temps, vous êtes un historien. Quand vous écrivez ces notes, puis quand vous faites vos mémoires, est-ce que vous vous sentez comme un historien qui regarde son sujet vous-même, ou est-ce que vous vous sentez comme un témoin Comment vous vous posez pour écrire des parties d'histoire, puisque ce livre, hein, il est euh, éclairant sur les années mitterrand, par exemple. C'est un livre d'un historien. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce sont des mémoires, ce que est un genre particulier, fondé en effet sur un journal. Déjà, euh, mon adolescence, euh, j'avais tenu des journaux, mais à des moments qui me paraissaient intéressants et qui ont nourri mon premier tome. J'avais été, par hasard, tout en n'étant pas du tout de la chapelle, j'avais été auprès de l'ambassadeur de France. Au Vatican pendant le Vatican II, ça m'avait passionné. Naturellement, euh, j'avais pris des notes pendant mai 68. Il fallait pas être grand clair pour savoir que c'était un événement important. Mm. Mais à partir de 75, je, quand j'ai soutenu ma thèse, je me suis dit je vais, voilà, je, je, je vais m'obliger à écrire non pas tous les jours, parce que je sais pas qui est capable le soir, fatigué d'écrire, mais écrire tout ce qui me paraîtrait important en détail. Et, et, et m'obliger à écrire quelque chose pour tous les jours. C'était souvent le dimanche. Voilà. Je, et, et, du, et Souvent on se dit pas très intéressant ce qu'on a fait, mais presque toujours quelque chose arrive qui sera intéressant. Et là, évidemment, étant dans l'action, j'ai fait l'effort de tout noter. Enfin, tout noter. Il y a énormément de choses qu'on note pas et qui échappent. Mais de noter beaucoup, ce qui fait que n'ayant pas relu ces notes, alors je n'imaginais pas du tout André Gide ou écrivain dans la Pléiade. J'écris au, au fil de, de la plume. Il s'agit de garder trace, parce que comme historien, c'est aussi un peu Toujours triste de se dire qu'il y a des choses qui échappent. On a envie de les retenir comme du sable dans sa, dans sa main. Et donc, j'écrivais effectivement un journal et que j'ai pr presque jamais relu, sauf dans certains cas. Et 40 ans après, je l'ai ouvert. C'est un drôle d'effet. J'avais l'impression pendant quelques... J'écrivais ce livre de vivre un peu dans deux temporalités et de redécouvrir des choses. Il y avait trois choses. Il y avait des moments que je me rappelais très bien. Je, je vérifiais d'autres. J'avais complètement oublié. C'est dommage, c'est amusant, parce que j'avais complètement oublié que Juliette Gréco, mon voyant, m'avait dit mais c'est un enfant ce président, vous citiez ça oui. tout à l'heure. Donc je m'amuse à le montrer. Et puis d'autres que je me rappelais, que je croyais me rappeler, mais que je me rappelais mal. Et au total, ce qui, je crois, fait un peu le tissu de ce livre, comme du précédent, et comme ça continuera après, c'est que ça se fonde précisément sur le fil d'un diariste. Mais c'est un journal qui n'est pas un journal à la miel, vous savez, le... le, le le Suisse qui, qui chaque matin ou chaque soir, racontait le détail de ses sensations. Ce n'est pas du tout un, un, jour, pas un journal intime. Enfin, il y a quelque chose de personnel, les émotions, mais, mais ça, ça me regarde. Mais c'est un journal d'observation extime, comme disait, je crois, Benjamin Constant. Et c'est pour ça, peut-être, que j'ai trouvé quelques richesses. Et puis, je me suis dit, tous ces journaux, quand un jour j'aurai été fauché, c'est probable que j'un jour je mourrai. Euh, donc, euh, bon mon fils mettra ça peut-être quelque part dans une bibliothèque ou autre certains journalistes je respecte cette profession infiniment ou certains historiens viendront chercher des raisins du cake des petits trucs etc au fond je suis peut-être le mieux placé pour en tirer parti mais non pas pour le publier mon cher ami Michel Vinocq a publié son journal, c'est passionnant, passionnant. c'est un autre système je me suis posé la question, j'ai préféré en reprendre la matière, la refondre pour nourrir ces euh, mémoires qui encore une fois ne sont pas sont le, ce le sont les mémoires d'un historien, marqué par le fait qu'il est historien, bien sûr, dans l'action et dans la réflexion, mais c'est pas un livre d'histoire, parce que je considère, j'en ai fait pas mal, de livre d'histoire. Mais c'est autre chose, je ne sais pas de sortir une vérité définitive. Je dis, voilà quel a été mon regard, ma, défi, ma vérité, ma, ma psychologie à ce moment-là, mon récit. Et pour quelque chose que je n'ai pas vu, il y a une part encore de hasard pourquoi j'étais là et pas là, telle chose m'advint. Mm. Mais c'est ça que je raconte, en m'efforçant en effet de le faire euh, en employant quelques mots rares. Allez, oui. le, 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 le sous-titre de, de notre rencontre, c'est envie de vivre notre histoire. Oui, J'ai remarqué. Alors, euh, est-ce que vous sentez avoir vécu ce que vous racontez, c'est-à-dire vécu l'histoire euh, en tant que président de Radio France, dans la mission, en tant que secrétaire d'État, de reprise euh, Est-ce que vous l'avez faite parfois Comment vous posez vis-à-vis -vis de l'histoire et de ce que euh, vous regardez rétrospectivement, on est 30 ans après maintenant. Vous voulez dire, est-ce qu'on peut euh, organiser là, une hiérarchie que... rétrospective de ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Ça, et puis est-ce qu'un historien euh, se sent de vivre l'histoire à un moment? Oh mais c'est magnifique. Mais je ne suis pas le premier, hein, je veux dire. Euh il y a eu beaucoup d'historiens qui ont été. D'abord, il faudrait un principe, c'est que dans tout gouvernement, il devrait y avoir au moins deux agrégés d'histoire. C'est si, bon, force ça, de vouloir, du À force de vouloir réformer la Constitution, voilà quelque chose qu'il faudrait mettre, ce serait très bien. Euh, il y a eu Guizot, il y a eu Duruy, pour prendre que le 19 19e siècle. Je citerai aussi Daladier, qui était agrégé d'histoire, chacun son nom. Bon, je ne commenterai pas Munich aujourd'hui. Mais euh, ce qui est clair, c'est que. Si on décide d'entrer dans l'action, encore une fois, c'est ce que j'avais envie de faire quand j'avais 20 ans, c'était alterné. Euh, forcément, on, on réagit en historien avec des, des précédents dans la tête. Euh, on pense à telle ou telle chose familiale, mais aussi plus largement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est forcément plus lucide, mais c'est vrai que constamment ayant à faire des choix, même à nommer des gens, j'avais dans la tête des, des, des précédents. Pour prendre un exemple, par exemple. Je, ça, c'était mon père qui avait été ministre de l'Industrie dans les années 60 de, de, de Gaulle et puis d'autres ministères. Après, j'avais bien vu qu'il avait... C'est assez actuel qu'il a vu pour principe de se nommer un tout petit cabinet ministériel autour de lui avec l'idée de travailler directement par, avec les directeurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème qui se pose quand on met une trentaine de jeunes gens pas toujours expérimentés qui viennent souvent là pour pouvoir ensuite rebondir ailleurs, dans le privé ou ailleurs. C'est pas forcément le meilleur système. Donc là, j'ai toujours un très petit cabinet c'est vrai aussi quand j'étais ministre. Après, pour travailler directement avec les directeurs, ça suppose évidemment que ce soit pas à l'Élysée qu'on nomme les directeurs et que si on a envie d'en changer, on vous laisse le faire. C'est toujours un équilibre. Voilà un exemple. On pourrait multiplier les exemples. De ça, la question aussi des rapports avec les syndicats. J'avais quand même beaucoup fait d'histoire sociale. Je connaissais les choses. Et alors je suis arrivé. Il y a beaucoup Radio de gens. en France, vous avez. Euh, oui, une bien sûr. Histoire. En arrivant déjà, ils ont fait une grève que je raconte en détail, qui était vraiment l'initiation. Ils ont voulu se saisir de l'antenne, alors j'avais comme principe absolu c'est l'avantage des principes que jamais les syndicats ne devaient utiliser l'antenne pour défendre leur propre et j'étais entouré de. Et donc euh, j'ai réussi à empêcher ça et ça m'a d'une certaine façon installé une autorité une nouvelle, magnifique responsable de la CGT qui est originaire d'Espagne de, de, m'a appelé le soir, il m'a dit monsieur le président, vous... je peux pas imiter l'accent qui était beau, monsieur le président ce soir vous êtes président et il avait arrêté la grève parce que j'avais réussi je ne rentre pas le détail, enfin, le détail est là, a empêché, grâce à un admirable directeur des services techniques, que cette, euh, ce communiqué qui s'était efforcé de passer sur l'antenne soit coupé aussitôt pour remplacer par de la musique. C'est un cas extrêmement unique où, alors qu'un président qui est quand même chargé d'assurer la continuité de l'antenne a été loué pour l'avoir interrompu. Mais ça, c'est les hasards de, de l'histoire. En tout cas, d'autre part, on me disait les syndicats, c'est épouvantable. Beaucoup de gens me disaient ça va être terrible. Le fils du général de Gaulle, qui j'avais été en contact à propos d'une lettre, m'a écrit une lettre. Je, je cite beaucoup de choses comme ça, parce que c'est ça qui donne, je crois, du grain. Ouais. Il m'a écrit, oh, oh, écrit pour me remercier de la lettre que j'avais envoyée. C'était la constitution de la correspondance du général, qui m'avait écrit une lettre manuscrite pour mon premier livre. Mais je ne m'égare pas, euh, même si je suis très content. Euh, le, il m'a écrit en post-scriptum. Euh, oui, euh, je vous plains d'être... Euh, c'est à peu près ce qu'il disait d'être obligé de traiter avec les syndicats, qui, qui s'emparent du service public d'une façon qui explique pourquoi tout le monde s'en est... Je lui dis bah, pas du tout, pas du tout, il y a d'autres qui dit ça aussi. mais Non, je, moi j'ai bien travaillé avec les syndicats, chacun dans son rôle. Mon père qui était un peu naïf, quand il était ministre des Affaires Sociales, m'avait dit, c'est bizarre, c'est plutôt un ingénieur lui, il n'était pas historien, c'est bizarre, les syndicats viennent dans mon bureau, on parle très bien, on s'entend bien, et parfois ils disent exactement le contraire sur le, 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 le perron. J'ai dit, mais enfin, faire de la politique, c'est normal. Je veux dire, en tout cas, il faut, il faut prendre ça en compte. Ils sont en compétition, ils ont approuvé leur valeur. Bref. Mais j'ai plutôt bien travaillé avec les syndicats. Et j'ai pu dire à tous ces gens qui me disaient, malheureux, les syndicats. Alors, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, évidemment. Je raconte différents épisodes à ce propos parce qu'il faut beaucoup, beaucoup de temps. Mais, mais j'ai bien aimé ça, finalement. Comme j'étais le plus jeune, on m'avait nommé président des présidents pour négocier la convention collective oh, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails c'est pour dire simplement que oui, que, que, que gouverner une maison comme ça c'était très bien et j'ai beaucoup aimé travailler avec les agents euh, permanents, parce que ce qui est intéressant dans une maison comme Radio France on rejoint l'attitude de l'historien, c'est qu'en arrivant j'ai vu qu'il y avait vraiment différentes temporalités et que pour inscrire son action il fallait les prendre en compte il y avait la temporalité des journalistes Très Monsieur le journaliste, oui, oui qui, 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 qui suivait l'idée d'André Gide, c'est-à-dire que l'information, c'est ce qui est moins intéressant le lendemain que le jour même. Exactement. Et puis il y avait les, les agents, euh, excellents d'ailleurs, directeur différents directeurs, qui eux travaillaient à hauteur annuelle. Et qu'à partir de septembre commençait à vous dire, il n'y a plus assez d'argent, Monsieur le Président, il faut falloir il faut le restreindre. Et puis il y avait la musique, parce que j'ai aussi beaucoup à m'occuper de la musique. J'ai fait un grand festival que j'ai créé, qui dure toujours, à Montpellier avec Monsieur Georges Fresh, jeune maire. Euh, les musiciens venaient toujours dire euh, au directeur des finances et donc au président, il faut me donner de l'argent pendant trois ans, parce qu'il faut que Madame Stichrondal euh, 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 puisse être, euh, je fais un contrat avec euh, une grande cantatrice, avec la calasse et plus la Calas, et pour ça j'ai besoin de faire le contrat trois ans à l'avance. Donnez-moi de l'argent tout de suite. Alors il fallait négocier ça aussi. Puis tout en haut, euh, je me rappelle au dixième étage de la maison ronde, je pourrais vous parler de la maison ronde aussi. Euh, tout en haut de la maison ronde, j'ai découvert des gens qui étaient encore en train sur un rythme alors vraiment pluridécennal de recopier des partitions pour les orchestres. Il n'y avait pas encore les systèmes actuels, et qui pour eux, alors pour eux l'idée qu'on puisse s'agiter. Pour une coupure d'antenne dans les profondeurs de la radio, ça leur paraissait tout à fait extravagant. C'est l'envie de vivre, le thème du festival. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu plusieurs vies entre la radio, que vous continuez d'ailleurs comme comme producteur hein, d'une émission, entre la politique aussi, entre l'histoire. Et est-ce que je pourrais me permettre de vous demander de choisir, dans ces trois vies, laquelle vous aura le plus rempli ou pas On a toujours le droit de poser des questions, on a toujours le droit de fuir les réponses. Je, je vais, je... Moi, je suis dans les temps. Ce encore... n'est pas tellement vous avez le droit, vous avez le temps. On a le temps ouais. Ah bah très bien, ouais. parce que mes prédécesseurs, commissaire Breton, a ah, été en retard, c'est ça Oui, 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 ouais. ouais, c'est ça. Bon, il est dans l'action très bien, mais nous égarons pas. La question était est-ce que pour une étudiante plusieurs vies Est-ce que vous avez le sentiment de plusieurs vies Non. Non. Quand que j'avais 20 ans, j'avais envie d'alterner. Alors, c'est pas des vies différentes. Ce sont des vies qui se combinent, puisque quand je suis revenu à mon enseignement j'étais très enrichi par l'expérience que j'avais et pas seulement pour pouvoir définir les émigrés de 1814 mais aussi pour comment fonctionnait quand je faisais de l'histoire politique c'est l'histoire de la décision de l'histoire des forces pesant de l'extérieur sur la décision politique l'histoire politique à ce moment-là était en plein renouveau euh, entre Sciences Po Nanterre autour de René Raymond notamment donc j'avais vraiment l'impression que c'était un lien Ce pas c'était pas non pas des vies différentes c'est exactement cet entre-là que j'avais imaginé sans savoir du tout quelle forme ça prendrait, bien sûr, quand j'étais adolescent, que j'avais envie de, de pratiquer. Et j'ajoute qu'être universitaire, ça avait l'immense avantage qu'à n'importe quel moment on pouvait démissionner, parce que beaucoup de mes collègues, des autres ministres, etc., ils, même, ils se trouvaient le bec dans l'eau. Moi, je savais qu'à n'importe quel moment, et c'est arrivé quatre reprises, trois reprises, en tout cas quatre. Bref, je suis revenu à Sciences Po où m'attendait ma chère. J'avais pas du tout joué les. Les malins par rapport à mes collègues, donc ils m'aimaient toujours bien, je vais continuer à les voir. Je leur avais dit que vous savez, le chat, Malraux avait dit à un moment donné, c'était ça, il dit, être chat chez Malarmé, ce n'est pas être n'importe quel chat. C'est un chat chez Malarmé. Mais quand Malarmé est mort et qu'on redevient un chat, on redevient chat. Ben on redevient chat. C'est un peu ce que j'avais pratiqué, si vous voulez, par rapport à mon milieu universitaire, que j'aimais beaucoup. On a fondé la revue L'Histoire, qui est magnifique. Enfin, on a fait toutes sortes de choses que, que je raconterai dans mon tome 3, 4, 5 ou 6, je ne sais pas encore décider. Vous n'avez vous pas décidé encore. <laughs> donc, donc euh, j'ai pas l'impression d'avoir plusieurs vies. J'ai eu une vie un peu complexe, mais, 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 mais riche. Et, et franchement, euh, ça ne me rend pas grognon. On le voit, et on vous remercie pour ça. Merci, jean denis Merci de votre accueil. Merci beaucoup de votre accueil à tous. Merci.